Les Saint-Vincent venus avec les gamets. Donc des gamets, c'est un cépage qu'on trouve beaucoup dans le Beaujolais, bien sûr, mais j'ai des Touraines. Et il y a aussi des gamets qui sont en Bourgogne. Et j'ai un gamet qui vient de Meursault, qui s'appelle le Petit Bonheur, qui est un vin facile, gourmand. C'est des vins de copains, c'est pas des vins qu'on intellectualise, c'est pas des vins compliqués. C'est plutôt du plaisir à boire tout seul et avec les copains. Je veux savoir, la médaille d'or, vous l'avez eue pour quel produit ? Le foie gras. Le foie gras ? D'accord. Qu'est-ce que vous avez là ? C'est très intéressant de goûter les deux. Mais je l'ai d'abord. Et qu'est-ce qui t'est arrivé ? T'es tombé dans une boîte de millions de plantes ou quoi ? Ça, donc, j'ai eu l'occasion aussi de... 19,89. Avec beaucoup de caractère. Une fraîcheur, on a une tour de fraîcheur qui est assez enrobée par le milieu de grappe du vin. Vous voyez aussi, très agréable. C'est pas mal, c'est bien. C'est très on a tout demandé, parce qu'avant, il était d'Auxerrois, car on n'a qu'on peut plus d'un verre. C'est-à-dire qu'auparavant, quand on avait plus de 40 000 hectares de vignes. Aujourd'hui, combien? 4 000, 4 500? Quel est votre avis? Plutôt... Oui, non, plutôt positif. Moi, comme ça, nouveau, on va en goûter un deuxième. Je suis curieux de voir en 2002. Une moyenne avec cette touche de rondeur qui vient avec plus longtemps cher, mais qui est un ingrédient qui sont déjà très fondu. On ressent aussi des nuances aromatiques assez évoluées. Oh, t'es venu, t'es venu.